C'était une giga claque dunk. Merci Mika, merci. Merci Wambayama, merci pour tout. Il vous l'a toujours dit. Il est dans mon cœur. Il peut dribbler, il peut passer, il peut bloquer des shots, il peut tirer des trois points, il peut faire tout. Il faut qu'on regarde ce joueur parce qu'il est le meilleur joueur depuis LeBron James et mieux, probablement mieux que LeBron James. Alors on a pris quoi? Le maillot de Victor Wembanyama parce que j'aime beaucoup, il pourrait aller en NBA. Les maillots de Victor sans hésiter, c'est la première chose que les gens demandent de toute façon, pas d'hésitation. Alors j'ai acheté un maillot de Victor, bien sûr, et le fait qu'il soit français. Le fait qu'on ait tous envie de le voir jouer parce que quand il partira aux États-Unis, ce sera beaucoup plus compliqué. C'est tout ça. C'est l'envie et quand on aime le jeu, quand on aime le joueur, on a envie de le voir jouer en vrai et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est vrai qu'il nous fait rêver. Hein. Ah, il nous fait rêver à chaque match. Il plombe des 25-30 points et franchement, c'est un kiff. C'est un kiff total de le voir jouer. Il va nous manquer quand il va partir. Ouais, Victor, à chaque fois qu'il le voit jouer, bah, oh, c'est un petit rêve. Hein. C'est un grand joueur qui va en NBA. Donc, ça fait rêver tout le monde un petit peu. Et les grands aussi. Je suis là, Victor. Je suis là. Regarde-moi. Incroyable, on n'a jamais vu ça. C'est la première fois, on est tous derrière lui. Je suis venu pour la première fois pour le voir, franchement. Je vous souhaite tout le bonheur. Victor, t'es dans mon cœur. T'es un phénomène, frérot. Très habile avec le ballon, très grand, qui est bon en défense et bon en attaque et futur numéro 1 de la draft, donc forcément très prometteur. Et je pense que c'est important d'avoir son maillot très rapidement parce que dans quelques années il sera collector. À la fin du match j'aimerais bien me faire signer, c'est pour ça que je l'ai pris aussi et je pense que la signature va être très collector dans quelques années. Incroyable, merci Victor. Merci Victor. Ah, très gros match, nous on a vraiment kiffé. C'était dur pour Wemby au début, c'était dur. Hein. Mais il fait gagner le match avec une claquette dunk. Ouais, rate son layup, il y a un mec qui arrive derrière qui fait une claquette à une main. Je crois que c'est ici, il rate. Et là il y a Wemby. Il lui dunk dessus, il part de nulle part et il l'envoie au fond. Magique, c'était fou. Décisif. Il est prêt ou pas? Ah, il faut qu'il muscle un peu son jeu, comme disait Robert. Il va muscler son jeu et il va être premier de le draft.